chapter 1, verse 24. Luc, chapitre 1, verset 24. And after those days, his wife Elizabeth conceived and hid herself 5 months, saying, Thou hast the Lord dealt with me in the days wherein he looked on me, to take away my reproach among men. Quelque temps après, Elisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Tu fais quoi? Pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Mon opprobre en anglais, c'est-à-dire quoi? En français. My reproach. Ma honte. Ma honte. Hallelujah. Praise God. This month is a month from shame to glory. Ce mois, c'est notre mois de la honte vers la gloire. Any area in your life, tout domaine dans ta vie, the enemy is using, que l'ennemi utilise, to bring mockery in your life, pour apporter la moquerie dans ta vie, to bring disgrace in your life, apporter la disgrâce dans ta the vie. The Lord want to visit that area this month. Le Seigneur veut visiter ce domaine en ce mois. He want to turn your shame into glory. Il veut changer ta honte à la gloire. And today we are going to use the case of Elizabeth as a case study. Et aujourd'hui, comme étude de cas, nous allons étudier Elizabeth. Elizabeth was the wife of Zachariah. Elizabeth était la femme de Zacharie. And Zachariah was one of the priests. Et il était l'un des sacrificateurs. That always go to the house of God and service the house and work for God. Qui allait constamment dans la maison de Dieu, le servant. Zachariah was not an unbeliever. Il n'était pas un incroyant. He wasn't an ordinary Christian. Il n'était pas un chrétien ordinaire. He was somebody that believed in God. Il était quelqu'un qui croyait en Dieu. Hallelujah. He was somebody that worked for God. Il était quelqu'un qui travaillait pour He Dieu. Was a man of faith. Un homme de foi. He was a man. Il était un homme that knows God. Qui connaissait Dieu. He was a man. Il était un homme that God have used. Que Dieu avait utilisé. He was a man that God have used. Il était un homme que Dieu avait utilisé. He was a man that walking upright with God. Un homme qui était juste devant Dieu. Hallelujah. But. Mais. He have an area in his life. Il avait un domaine dans sa vie. That the people used to mock at him. Que les gens utilisaient pour se moquer de lui. He and the wife. Sa femme et lui. When I study this scripture. Quand j'ai étudié cette écriture. And I study the life of other great men or women of God in the Bible. Et j'ai étudié la vie de certains grands hommes et femmes de Dieu dans la Bible. That was serving God faithfully. Qui servaient Dieu fidèlement. Like Abraham. Comme Abraham. Abraham was serving God faithfully. Abraham servait Dieu fidèlement. But there was an area in his life. Mais il y avait un domaine dans sa vie. That people used to mock at him. Que les gens utilisaient pour se moquer de lui. There was an area in his life. Il y avait un domaine dans sa that vie. That people used to disgrace him. Que les gens utilisaient pour l'humilier. Hallelujah. I want to make you understand. J'aimerais te faire comprendre. That disgrace will not be forever. Cette disgrâce ne sera pas pour toujours. That shame will not be forever. Cette honte ne sera pas pour toujours. That shame have an expiring date. Cette honte a une date d'expiration. And that expiring date is today. Et cette date d'expiration sera aujourd'hui. I can't hear your amen. Je n'entends pas votre amen. Each time there is a prophetic word, chaque fois qu'il y a une parole prophétique, it means go on to work something. Ça veut dire que Dieu veut travailler. Hallelujah. From shame to glory. De la honte à la gloire. The Lord want to visit the area in your life. Le Seigneur veut visiter un domaine dans ta vie. That brings shame to your body, to your life, to your family, to everywhere. Qui apporte la honte dans ta vie, dans ta famille, partout dans ton environnement. There are many of us. Il y a plusieurs parmi nous. When you look at yourself, quand tu te regardes, there is an area in your life. Il y a un domaine dans ta vie. That people used to mock at you. Que les gens utilisent pour se moquer de toi. Do you know that when Lazarus died? Vous savez quand Lazare est mort? People that came to Mary and Martha. Les gens qui sont venus vers Marthe et Marie. They did not come to condole. Ne sont pas venus se lamenter avec elle. They came to mock at them. Mais sont venus se moquer d'elle. There are some people. Il y a certaines personnes. That will never come to your house. Qui ne viendront jamais chez vous. When you are celebrating. Quand vous célébrez.
But they will only come to your house. Mais ils ne viendront when you have a problem. Que lorsque vous avez un problème. That makes you cry. Qui te fait pleurer. Note that. Constatez que. That they have not come to condole. Qui ne sont pas venus se lamenter. But they have come to laugh or mock at you. Mais ils sont venus se moquer. When you pass exam. Quand tu réussis un examen. They will not call you. Ils vont pas t'appeler. When your wife delivered. Quand ta femme accouche, they will not call you. Ils vont pas t'appeler. When they hear they have sacked you from work, quand ils apprennent qu'on t'a licencié, they will call you. Ils vont t'appeler. Hello. Hello. Pachansko. Achiao. Mama Dike, on t'a licencié. I've heard that they've sacked you. He want to hear your voice of misery. Ils veulent écouter ta voix de misère. He want to hear your voice of shame. Ils veulent écouter ta voix de honte. So that they will mock at you. Pour mieux se moquer. That's why they call. Voilà pourquoi ils appellent. Hallelujah. Praise God. My God want to visit that area in your life this month. Mon Dieu veut visiter ce domaine dans ta vie en ce moment. That area that brings shame and disgrace to ce you. Ce domaine qui apporte la honte et la disgrâce. Many came to Lazarus. Plusieurs sont venus vers Lazare. They came there gathered. Ils sont venus se rassembler. And they were saying. Ils disent. This man. Cet homme. You who say you are following this man. Toi qui dis que tu suis cet homme. Your brother is dead. Ton frère est mort. He has not come. Il n'est pas venu. Until they have buried your brother. Jusqu'à ce qu'on l'ait enterré. It means that. Ça veut dire que. He is deceiving you people. Il vous trompe. When Jesus came. Quand Jésus est venu. They say. Ils ont dit. He opened the blind eyes. Il a ouvert les yeux des aveugles. He healed the sick. Il a guéri les malades. Why did he not keep Lazarus from dying? Pourquoi n'avait-il pas empêché à Lazare de mourir? He would have stopped him from dying. Il l'aurait empêché de mourir. Why? Pourquoi? That was a mockery. C'était une moquerie. Hallelujah. And they knew that. Et ils savaient que. The end of Lazarus of what? C'était la fin come. De Lazare. There are some areas in your life. Il y a certains domaines dans ta vie. When God glorifies Himself through you. Quand Dieu se glorifie par toi. It will bring revival. Ça portera it le réveil, bring breakthrough, la percée, it will bring salvation, le salut, it will open all kinds of doors. Ça ouvrira toutes sortes de portes. Do you know many believers came, many people came to believe Jesus when Lazarus raised up from the dead. Savez-vous que plusieurs vinrent à croire en Jésus lorsque Lazare a ressuscité de la mort? Hallelujah. Jesus said. Jésus dit. This sickness is not unto death. Cette maladie n'est point pour la but mort. But for the Son of Man. To glorify himself through that sickness. Mais pour que le Fils de l'homme se glorifie. Did he die? Est-ce qu'il est mort? Yes, Lazarus died. Oui, il était mort. But did he stay in the tomb? Est-il resté dans la tombe? Did he stay in the tomb forever? Est-il resté dans la tombe pour toujours? You're not asking me. Vous ne me répondez plus. Hein? Say to yourself. Dis à toi-même. I will not stay in this problem forever. Je ne vais pas demeurer dans ce problème pour toujours. This problem I'm facing now. Ce problème que je rencontre présentement. My God will glorify himself through this problem. Mon Dieu va se glorifier à travers ce problème. And today. Et aujourd'hui. Is the expiring date for this problem. C'est la date d'expiration de ce problème. I can't hear you. Je ne vous entends pas. I can't hear you. Je ne vous entends pas. I can't hear you. Je ne vous entends pas. I can't hear you. Je ne vous entends pas. I want you to prophesy to yourself. J'aimerais que vous prophétisiez à vous-même. Say, I will not stay in this problem anymore. Je ne vais pas rester dans ce problème pour toujours. By the power of resurrection. Par la puissance de la résurrection. I am coming out of this situation. Je sors de cette situation. I am coming out of this problem. Je sors de ce problème. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Can I hear amen like thunder? Puis-je entendre amen comme le tonnerre? If a neighbor is sleeping, shake their neighbor, say, you will not stay in this situation anymore. Si ton voisin dort, dis-lui, secoue-le, dis-lui, tu ne vas plus dormir dans cette situation. Hallelujah. Amen. Hear me very well. I want you to écoutez understand moi me very bien. Well. Okay? There are some problems. Il y a certains problèmes. That God permits. Que Dieu permet. Because he wants to manifest himself. Parce qu'il veut se manifester. He wants to show himself. Il veut se démontrer. He wants to show his power. Il veut montrer sa puissance in that problem. Dans ce problème. And those who don't understand,
Et ceux qui ne comprennent pas, when they see you in problem, quand ils vous voient dans des problèmes, they will now start to mock at you. Ils vont commencer à se moquer de vous. They will now start to bring you shame. Commencer à vous humilier. But before they open their eyes, mais avant d'ouvrir leurs yeux, you have left the place of shame. Tu aurais déjà quitté cette place de honte. This month, ce mois, I prophesy. Je prophétise. Any area in your life that brings you shame, tout domaine dans ta vie qui t'apporte la honte, my God shall visit it this month. Mon Dieu va te visiter en ce mois. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. From shame to glory. De la honte à la gloire. The shame comes first. La honte vient d'abord. Before the glory now come. Avant la gloire. Your shame have come. Ta honte but now avait, it's your glory that is coming. Mais voici ta gloire qui arrive. Anyone that has been going through shame and disgrace. De personne qui a eu à passer par la honte et la disgrâce. That shame and disgrace expired now. Cette honte et disgrâce s'expire maintenant. Now is your time for glory. Maintenant c'est ton temps de gloire. You are entering into your glory right now. Tu entres dans ta gloire maintenant. You are entering into your glory right now. Tu entres dans ta gloire maintenant. You are entering into your glory right now. Tu entres dans ta gloire maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Stand and say, I am entering into my glory right now. Lève-toi et déclare, j'entre dans ma gloire maintenant. I am entering into my glory. J'entre dans ma gloire. I'm entering to my glory right now. J'entre dans ma gloire maintenant. I'm entering to my glory right now. J'entre dans ma gloire maintenant. What men think I can never be? Ce que les hommes pensent que je ne peux jamais. Who they think I cannot be? Ce qu'ils pensent where que je ne peux jamais. Where they think I cannot enter? Là, ils pensent qu'on peut entrer. I am entering there now. J'entre maintenant. What they think I cannot have? Ce qu'ils pensent que je ne peux pas avoir. I am possessing it now. Je possède cela maintenant. I am harvesting my blessing now. Je moissonne mes bénédictions maintenant. I am taking what belongs to me now. Je récupère ce qui m'appartient. The devil is a bastard. Le diable est un bâtard. You cannot stop me. Tu ne peux pas m'arrêter. You cannot stop me. Tu ne peux pas m'arrêter. Can I hear amen like thunder? Puis entendre amen comme le tonnerre. When you see that scripture, Isaiah 61 verse 7, it says, "For your shame." Quand vous voyez cette écriture d'Ésaïe, you shall receive what? Double. Il dit pour ta honte, pour ton opprobre. For your shame, pour ta honte, you shall receive. Double. Tu recevras le double. Any area of shame in your life. Tout domaine de honte dans ta vie. I see you receiving double portion of blessing. Je te vois recevoir une double portion de bénédiction. I want you to hear this. J'aimerais que vous écoutiez ceci. As a child of God. En tant qu'enfant de Dieu. Problem cannot end with your life. Le problème ne peut pas achever ta vie. Sickness cannot kill you. La maladie ne peut pas te tuer. Only God can take you at the appointed time. Seul Dieu peut te prendre au and moment opportun. Is that appointed time? Et quel est ce moment opportun? You shall opportun? Live to see your children. Tu vas vivre et voir les enfants de tes enfants de tes enfants. Hallelujah. Can I hear a better amen here? Un meilleur amen. So when the angel visited Elizabeth, donc quand l'ange a visité Elizabeth, he said to her, il lui a dit, bébé est déjà là. The baby is already there. Ton contrat est déjà là. Your contract is already there. Ton bébé est déjà là. Your baby is already there. Ton santé est déjà là. Your health is already there. Ton mari est déjà là. Your husband is already there. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Écoutez-moi. Dès que tu racontes un prophète de Dieu, as soon as you meet a prophet of God, à l'époque, Dieu utilise beaucoup le ange céleste. In those days, God was using angels. Angels, they can appear to you. Ils pouvaient vous apparaître. They talk to you with the message of God. Vous parlez, vous adressez le message de Dieu et ils repartent. Hallelujah. So God was mostly using angels. Dieu n'utilise plus les anges. They will not lay their hand on your head. Ils vont pas vous imposer la main. But how we do today? Comme nous le faisons aujourd'hui. They don't do that. Ils ne faisaient pas ça. They come with the word. Ils venaient avec une parole. And when they speak the word, et quand ils déclarent la parole, the word now begin to act in the life of the people. La parole commence maintenant à agir dans la vie des gens. Praise God. Louange so every true prophet, donc tout vrai prophète, is the one that comes with the word from God. C'est celui-là qui vient avec la parole because de Dieu. Because it is the word of God. Parce que c'est la parole that de Dieu brings about change qui apporte le changement in a nation, dans une nation, in the life of men, dans la vie des hommes. It is the word of God. C'est la parole de Dieu.
Hallelujah. The Lord said to me this month. Le Seigneur m'a dit en ce mois. It's a month that we are leaving shame to glory. C'est le mois où nous quittons la honte pour la gloire. This woman, after 12 years looking for a child. Regardez cette femme après 12 ans à la recherche de bébé. I told her, a woman have tied your womb. Je lui ai dit, une femme a attaché ton utérus sur un arbre. I take it. Je le récupère. And I give to you. Et je te le donne. Today. Aujourd'hui. She's 8 months pregnant. Elle a 8 mois de grossesse. And there are some of you here. Et il y en a parmi vous. They have tied your job. On a attaché votre emploi. That you can never have a job. Que vous ne pouvez jamais avoir. They have tied your marriage. Ils ont attaché that votre you mariage. Can never marry. Que vous ne pouvez jamais they vous have tied your family. Ils ont attaché that votre famille. That nobody good will come out of your family. Que rien de bon ne sortira de votre today, famille. Today I prophesy. Aujourd'hui je prophétise. Whatever the enemy have tied in your life. Quel qu'en soit ce que l'ennemi a attaché dans votre in vie. In your family. Dans votre famille. I loose it to you now. Je le détends, je vous libère ça maintenant. Take it now. Recevez. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Tout ce qui le diable a attaché. Oh, what the devil has done. Aujourd'hui. Today. Je détache ça. I loosen it. I untie it. Je détache ça. I untie it. Ta bénédiction. Your blessings. Je détache ça. I unloosen it. Tes enfants. Je détache ça. Your children. I unloosen. Ton PC financier. Je détache ça. I release ton mariage. It. Your marriage. Je détache ça. I am losing it. Commence à recevoir ça. Start receiving. When the angel visited Elizabeth. Quand l'ange a visité Elizabeth. He told Elizabeth. Il dit à Elizabeth. I have blessed you with a child. Je t'ai béni avec un bébé. And after 3 months. 3 mois plus tard. Elizabeth saw her stomach was protein. Elizabeth a vu comment son ventre poussait. She went and locked herself. Elle est allée s'enfermer. And said, the Lord have visited me. Et dit, l'Éternel m'a visité. And have taken away my shame. Et il a ôté ma honte. Before men. Devant les hommes. What is it in your life? Qu'est-ce qui est dans ta vie? That when people see you. Que lorsque les gens vous voient. They mock at you. Ils se moquent de vous. What is it in your family? Qu'est-ce dans votre famille? That people used to mock at your family. Que les gens utilisent pour se moquer de votre famille. Today. Aujourd'hui. By the power of the Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit. That shame and disgrace. Cette honte et disgrâce. Is leaving your family today. Quitte votre famille maintenant. That shame and disgrace. Cette honte et disgrâce. Is leaving your family today. Quitte votre famille maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Sit down. Asseyez-vous. Hear me. Écoutez-moi. Shame and disgrace. La honte et la disgrâce. It's not the name of anybody. N'est pas le nom de quiconque. You know that? Shame and what? And disgrace is not the name. La honte et la disgrâce of ne anybody. Sont pas les noms. But there are things. Mais il y a des choses. That bring disgrace in your life. Qui apportent la disgrâce et la honte dans vos vies. Hallelujah. There are things. Il y a des choses. That makes you. That brings you down. Qui vous rabaisse before men. Devant les hommes. The Lord said to me, le Seigneur m'a dit that this month, en ce mois, he will visit that area in your life. Il va visiter ce domaine dans ta vie. That area that brings disgrace in your life. Ce domaine qui apporte la honte et la disgrâce those dans ta vie. Those things that make people see you as a disgrace. Ces choses qui amènent les gens à vous regarder avec dédain. Some of you have gone to school. Pour certains, vous êtes allé à l'école. You are well qualified. Vous êtes bien qualifié. I mean well qualified. Je dis bien qualifié. But you don't have anything doing. Mais vous n'avez rien à faire. You are not working. Vous ne travaillez pas. You are not working. Vous ne travaillez people pas. People see you as a failure. Les gens vous voient comme des échecs. Why you have gone to school? Alors que vous êtes allé à l'école. Is that normal? Est-ce normal? Every anomaly that brings disgrace in your life today. Toute anomalie dans ta vie qui apporte will visit you. Toute anomalie qui apporte la honte dans ta vie aujourd'hui, mon Dieu va te visiter.
the message God gave me for you today. Voilà le message que Dieu m'a donné pour Hallelujah. Vous aujourd'hui. Every anomaly in your life, toute anomalie dans ta vie, that brings shame and disgrace in your life, qui apporte la honte et la disgrâce dans ta vie, today, aujourd'hui, my God shall visit you. Mon Dieu va te visiter. You were not born without disgrace. Vous n'êtes pas né avec cette disgrâce. You were not born without problem. Vous n'êtes pas né avec ce problème. The devil only brought it in your life. C'est le diable qui a apporté ça dans ta vie. Today, aujourd'hui, it will catch fire. Ça va prendre. I said today. Je dis aujourd'hui. It will catch fire. Ça va prendre feu. For the Lord to tell me that this month. Pour que le Seigneur me dise que ce mois. Is a month from shame to glory. C'est le mois de la honte pour la gloire. It means that shame. Ça veut dire que cette honte that you always experience, que tu expérimentes toujours, God is turning it. Dieu change cela. God is turning it. Dieu change cela. To glory. En gloire. Hear me. Écoutez-moi. Hear me. Écoutez-moi. Jesus says. Jésus dit. The sickness of Lazarus. La maladie de Lazare. Is not unto death. N'est pas pour la mort. But God. Mais. God. Mais Dieu. Want to glorify himself veut se glorifier through that sickness par cette maladie. The problem you are going through le problème par lequel tu passes is not to end with your life ce n'est pas pour mettre fin à it's ta vie it's not to make you suffer pas pour te faire souffrir it's not to make you remain in shame pas pour te faire demeurer le même that problem is there ce problème est là because God parce que Dieu want to change it for his glory. Veut changer cela pour sa gloire. And I prophesy. Et je prophétise. Anything in your life. Toute chose dans ta vie. That makes people look down on you. Qui fait en sorte que les gens vous humilient. That brings shame in your life. Qui apporte la honte dans ta vie. Matatu zakayata et paraka lusa kita ishata lipo sokoyitata. May that thing live your life now. Que ces choses quittent ta vie maintenant. Liberty TV, bringing God's presence into your home. Liberty TV, la présence de Dieu chez vous.